Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Foundation, notre petit village médiéval. Ça fait longtemps, ah non, bon, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, et ça fait pas longtemps que j'ai joué. Voilà, j'ai fait une petite demi-heure hors caméra, histoire de refaire principalement des tests et au niveau des greniers. Ah oui, alors là, que j'ai pas totalement fini. Et au niveau voilà, de la gestion du transport des ressources, parce que je comprends pas, je comprends pas trop le délire encore, et je veux savoir comment ça fonctionne. Donc j'ai un grenier, j'ai des greniers, des moulins à vent, des choses comme ça en fabrication. J'ai foutu, moi. Et je vais en faire plus d'ailleurs, hein, je vais en faire toujours plus. J'ai l'impression, c'est peut-être mauvaise impression, mais ça reste une impression, que si je stocke tout, enfin si un grenier ne fait qu'une seule, comment ça s'appelle? Ne possède qu'une seule ressource, voilà. J'ai cherché le mot ressource, c'est compliqué. Si un grenier ne possède qu'une seule ressource, alors il va... Il va être plus efficace. Je veux vérifier ça. Je veux vérifier ça. Voyons. Donc là, je vais construire un grenier. Ici, je vais mettre mes trois moulins les uns à côté des autres. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc le grenier là. Et on va voir. Là, ça va être tout ce qui est gestion. Du blé et de la farine. On va voir comment ça va être géré. Donc là, je vais mettre les trois moulins les uns à côté des autres. Voilà. Là, au moins, on sera bien. La zone résidentielle, elle est très grande, c'est parfait. Mon blé, il est stocké là-bas. Donc ça va être pour stocker le blé. Et je vais en faire un autre pour stocker la farine. Oui, j'ai des nouveaux arrivants. Soyez les bienvenus. Voilà, vous êtes des transporteurs. Félicitations à vous. Et ok, j'ai du lait ici. Oh, je vache, j'ai masse de lait. Comment ça se fait que j'ai autant de lait ici? J'ai pas un autre grenier où je stocke le lait? Non? D'accord. Moi, je pensais. On va délocaliser, hein, entre guillemets, hein. Ça. Donc, grenier, lait, fromage, herbe et pain. Hop, je vais vider celui-là. Et je mettrai les farines dans celui-là. Je garderai que les farines qui seront produites par les moulins. Alors. Ciao, ciao. Normalement, le travailleur devrait arriver ici tout seul. Oui, impeccable. Impeccable. Alors, j'ai également débloqué, mais ça, on le verra plus. On le fera plus tard, je pense. Quoique. Le chef-d'œuvre du jardin luxuriant. L'élément splendeur du bâtiment est augmenté de 200%. Alors ça, les gars, ça, il est très possible que ça soit rattaché à l'église. Je sais pas où, peut-être par là. Enfin, je sais pas encore où. Mais ouais, ça fera du bien. J'ai également le monastère en construction. Ah, zut. J'ai mon grenier là qui est construit. J'avais dit que je faisais quoi ici? Ouais, le blé. Hop, un émissaire qui arrive. Qu'est-ce qu'il me veut? Acquérir les moines. Allez, viendez les moines. Moi, j'ai de la place pour vous. Est-ce que je peux y envoyer des moines? Non, d'ailleurs, je peux pas.
Dommage, dommage. Oh, j'ai plus de farine. Ça craint du boudin, ça. Comment ça se fait? Oh, bah ils ont fait le plein. Ah oui, d'accord. Ils sont partis chercher où la farine d'ailleurs. Là, on va. Non. Vider les stocks. Et on va y stocker autre chose ici. Je sais pas quoi encore. On verra plus tard. Lui, il attend que ça, d'avoir un peu de blé. Un nouveau récit peut-être entendu. Villageois heureux. Tant mieux. Y a du bon lait ici. Ça, on n'en veut pas. Okay, je vais regarder au cas où. Okay, le pain et le fromage sont stockés ici. Le pain, ouais, c'est parce que c'est une position centrale au niveau des boulangers. Ça, je vais le détruire. Ils vont changer naturellement de. De moulin, pareil, normalement. Hein. Je stocke où les farines? Je stocke où ces farines? Attendez, attendez, attendez. Il y avait un délire là. C'est pas genre ici, ouais, j'avais prévu de stocker les farines là, moi. Farine. 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 Et farine. Et j'avais pas foutu par pur hasard. Un boulanger là. Non, il n'y a pas de boulanger. Ok, c'est bien. Hop, et ici, on va le mettre là. Voilà. Ce qui fait que là, on a la. On a, je crois, tout blé. Faire tout le blé hors production directe, donc enfin hors la ferme. Et ah ouais, la brasserie, ouais, ça va, c'est pas très loin. Et stocker ici, donc là on n'a pas trop de soucis à se faire. Au niveau du blé, je voulais faire aussi. C'est augmenter un peu l'influence de la noblesse. Or, je vais devoir débloquer un rempart. Ouais, privilège de l'accolade du roi, j'en sais rien. Il en arrivera un nouveau dans votre village. Oh non! Un chevalier meurt en mission, il en arrivera un nouveau dans votre village. C'est génial. Bon, en soi, là, j'en ai pas trop besoin, mais. Et je. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais racheter cette. Ce territoire. Voilà. Que je vais ordonner l'extraction. Hop. Tout ce qu'il y a là. J'ai peut-être un petit peu débordé. Hein. Et. Y a pas un délire comme quoi je. J'ai plus de cabane de. J'ai des cabanes de bûcherons là-bas, bah tu sais quoi. Je vais stopper l'extraction momentanément dans le coin là. Et je vais. Voilà. Ils vont aller couper les arbres ici. Et je ferai ma. Je vais faire ma. Comment ça s'appelle? Ma caserne? Ou un truc comme ça là dans le coin. Hop là. D'ailleurs, vous savez quoi? On va commencer la construction. Je vais la faire. Ouais, elle peut être bien ici là. Entre les deux villages. Elle va pas trop impacter sur les champs normalement. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas intéressant. Peut-être la prochaine fois. Je n'ai pas ce qu'il faut, surtout en ressources.
Ça peut être intéressant, je dis pas, mais là, je sais pas ce qu'il faut. Alors. On fait un fort. Sélectionner une fonction. Déjà, on va faire un donjon fortifié, faut pas déconner. C'est tout? En bois? Y a rien? Y a rien d'autre? Non. Et ça, comme ça, on n'aura plus de problème. Enfin, on n'aura plus le pop-up là. Ah ouais, on a pas d'amélioration de donjon. C'est pas terrible, hein. Bon, on va faire la base avec hop. Bien avec un toit. Poste de guet grand. Comme veux-tu. Célébrer le tiers état. Fais-toi plaisir. Ah oui. Voyons. Donc on a un donjon. On va peut-être faire une porte. Je suis en train d'y penser, mais. Allez, une porte avec un balcon et tout, oh là là, la classe. Non, alors, voilà, de ce côté-là. Bon, en vrai, pas besoin de porte à balcon, on va faire ça. La porte à balcon, elle est pas très belle, je la trouve. Non, non plus. Ouais, ça, c'est très simple, ça passe. On va le construire. Allez, sois le bienvenu. Ouah, ça demande vachement, quand même, de planches en bois. Non, c'est pas le bon endroit. C'est par là. On va faire un beau truc là. Va être magnifique. On est commun. Au niveau de la fréquentation, on est bien. C'est vrai que c'est la seule dans le coin. Je vais zapper. Là, on est très bien. 225. Ah ouais, quand même. On est très bien aussi, ouais, c'est bon. Alors, au niveau de la nourriture du blé et des farines, on est comment? Ça a l'air d'être pas mal. Au niveau du lait, y a... le stock est là, le lait. Hein. Que je vois que j'ai aucun endroit pour le stocker. Hop, ici je pourrais le déstocker d'ailleurs. Quoi? Ici. Voilà. Au niveau des ressources, on est bien, pas d'accès au service. Ouais, c'est toujours les mêmes. C'est quand même grand. Voilà, avec l'agrandissement là qui est encore en train de se faire ici. Ah, bientôt terminé d'ailleurs. Bon, je crois que je peux toujours pas rajouter de moines. On va leur changer parce que là, c'est vraiment sommaire quoi. C'est vraiment très sommaire. Alors on a un fromager ici, mais il est loin, loin, loin. Visiteur ravi, ça c'est bien. Ah, ce fromager, il est vraiment très loin, quoi. Je sais même pas ce que je stocke, des baies, des herbes. Du poisson. Ah, il y a un peu de poisson. Ça c'est bien, c'est agréable d'en avoir. Je crois que pareil, là ici, j'ai fait du stock. Mais il n'y en a pas tant que ça. Au moins, les cabanes de pêcheurs sont vides. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ça arrive à bien envoyer les ressources plus ou moins où il faut, je suppose. Je crois qu'il me fallait un autre village de pêcheurs aussi.
Non, c'est pas comme ça? Ouais, zut, je me souviens plus. Je pouvais voir les poissons, un truc comme ça. Fertilité. Non. En mettant une cabane de pêcheur direct alors? Ah oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. La 6. Ouais, j'ai encore quelques bons points de pêche. C'est rassurant en un sens. Ok, je pense que pour le blé, on est bon. Même la brasserie, elle arrive à faire ce qu'il faut. De toute façon, je le vends pas le blé. Attendez, je vais quand même vérifier. Normalement, je crois que je le vends pas. Je le vends pas. Entre 11h et les ressources stockées, cela peut être utile dans le cadre de grands projets ou de quêtes. Ah. Non, c'est pas terrible ça. À vérifier qu'il soit pas. Non. Après, le blé, mine de rien. Là, avec les moulins qui fonctionnent mieux. La farine, c'est... Ouais, la farine, même la farine. Les moulins fonctionnent mieux, et mine de rien, le blé... Le blé et la farine sont très utilisés. Je sais pas où est la farine. Ah ouais, la farine est super utilisée. Pourtant le pain. Alors hein. Déjà on va pas le vendre, on va pas vendre le pain. Ni la farine ni le blé n'est vendu. Oups, on va voir comment ça équilibre au niveau de ce pain, farine et ce blé. Et ça baisse beaucoup quand même. Tu me diras, la récolte, elle se fait bientôt. Elle se fait bientôt et les fermes sont pour la plupart vides. Ou alors presque vides, ça c'est bien. Une joyeuse foire, impeccable, c'est 141% de bonheur. C'est un peu beaucoup là quand même. Est-ce que je ferais pas un autre moulin en vrai? Parce que vraiment au niveau farine, c'est pas terrible. Si je fais un autre moulin, ça veut dire aussi encore quelques fermes. Je vais en refaire un. Un moulin, une ferme et on verra ce que ça donne au niveau du blé. La ferme, la ferme, la ferme, elle est là. Oui, je pourrais la faire là, je pense. Hein. Y a quoi là-dedans? Ah, c'est le houblon et la bière, ouais. La bière d'ailleurs, combien j'en ai? Est-ce que j'en produis assez? C'est très important. J'en ai 43, c'est pas des masses, mais c'est pas mal. Allez, voyons voir, tiens d'ailleurs. Bonjour à vous les gars, on va vous envoyer. En mission. Voilà, ils m'ont dit qu'ils s'ennuyaient, donc... Il y en a une autre? Ah oui, difficile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y, les gars. Ouais, la récolte de blé, c'est fait, ça, c'est bien. Wow, 373 de blé. Ah, c'est pas mal, hein.
C'est vraiment pas mal du tout. Donc on voit la farine qui est utilisée à gogo. Ah, de l'eau fortifiée construit. Très bien. Sous-bâtiment. Faire des casernes. Des belles casernes. Ouais, alors, dans l'autre sens, c'est possible. C'est combien ça? C'est 6. Hop, donc 24. On va faire quelques cheminées quand même. En plus, ça rajoutera de la déco, ça, non? Décoration, décoration. On va faire un petit porche. Là, c'est moche. Très moche. Y a pas de. On peut pas mettre les bannières? C'est bizarre ça. C'est dommage. Ah si, grande bannière mur, alors regardez ça. Ah bon? On peut pas les mettre. Ah, pas ouf. Mettre des bannières simples alors. Voilà. Ça consomme rien les bannières? Ouais, coûte de l'argent. Bon, c'est bien. Voilà, on va commencer à améliorer un peu. Tiens d'ailleurs. Je vais rajouter les bannières lui. C'est quoi ça? Va lui mettre le drapeau quand même. Hop, et des grandes bannières là, histoire de montrer que on n'est pas là pour enfiler des perles. On verra pour le reste. Hein. Oui. Là, c'est déjà pas mal. Magnifique bannière qui ne passe pas du tout au travers de des meurtrières. Non, 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 on n'a rien vu, on n'a rien vu. Tout de suite. Allez. Hop, on va peut-être limiter quand même, faut pas déconner. Je pense que ça le fera l'affaire. C'est la mission, parfait. Il a utilisé toute sa surface, lui. Attends. Fermier au niveau 3. Au niveau 3, oui, il utilise toute sa surface. Je vais lui en rajouter un peu. Hein. Si jamais il peut grandir, je vais pas dire non. Non. Lui, il lui en reste. Lui, il lui en reste aussi. Lui, un peu. Oh la vache! Lui, il peut encore. Hein. Bon, lui, hein. Pareil. On lui donne de la place. Il n'avait pas fini le monastère là, à force. Il lui restait vraiment pas grand-chose. Ah bah si, je me disais. Ah mais je peux. Occupant 32 sur 32.
Je pensais avoir. Ouais. Je pensais avoir plus de place. C'est la chapelle, ça? Ça, c'est le dortoir des nonnes. On va faire des travaux. Je sais même pas si ça peut passer en vrai. Monastère qui est déjà très grand. Terrible ça. C'est pareil, on a ça, on a c'est ça, le cloître. Et ça, c'est quoi ça? C'est l'hospice. Chapelle? Ah, j'ai. Ok, j'ai deux chapelles. C'est n'importe quoi quand même. Ce monastère, c'est un. Qu'un village de toute façon maintenant c'est dingue. Faut que je l'agrandisse, je sais pas comment, mais il faut que je l'agrandisse. Je crois que je vais le refaire de zéro en vrai. J'ai vraiment envie de le refaire de zéro. Déjà, je vais racheter ce terrain-là. Je peux pas acheter celui-là, dommage. Je vais acheter celui-là. Ouais, maintenant que j'ai débloqué. Attends, j'ai débloqué tout ou j'ai pas tout débloqué? Non, c'est. Je vais réfléchir parce que si j'ai pas tout débloqué. Ok. Je vais attendre d'avoir tout débloqué. Et là, je le referai. Histoire de vraiment avoir tous les bâtiments possibles, quoi. Sur plus de B, super. Oh, le pain! Ouah, le pain! Ah oui, ça c'est bien, ça, le pain. C'est quoi ça? Oh, pas. Ça m'a débloqué quoi, d'ailleurs? Une église monastique impressionnante dédiée à la foi. Je suppose que... Qu'elle peut se faire, là, quoi. Quelque part. Église abbatiale. Wow, ah oui. Il n'y avait pas ce genre de truc. Ah, ça ouvre pas mal de possibilités de construction. Là, on peut faire une nef. Ah oui, c'est grand quand même. Oui, c'est grand. Ouais, tiens, allez, on fera ça. Bon, d'abord, il y a ça à construire, vous me direz. Comment on est au niveau du blé? Toujours pas terrible. Hein. Bon, j'ai rajouté des moulins. Hein. On va en remettre un. Hein. Au moins, on aura ce qu'il faut en pain. Hop, allez, je vais mettre là. C'est que j'ai pas mal de jobs aussi qui sont pas pourvus.
tous les postes citoyens. Il faut combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut 8 citoyens. On va promouvoir des villageois, hein. Félicitations. Là, la demande, hein, par contre, en bien et autre, elle va être plus importante. Hein, là, ça déconne pas. Hein. Voilà. Et pourquoi il y a du lait dans le puits? C'est quoi ce délire? Oula, c'est un puits à lait, les mecs. On a inventé un truc là, on a inventé le premier puits à lait. Premier puits à lait du monde, c'est magnifique. Je sais pas comment on a fait. Et ça doit être les retours de mission, en vrai, mais c'est original, hein. Oula, 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 il y a plein de missions là, du coup, non? Ah, suite, j'en ai pas une. Hop, tiens, on va faire ça. Ça rapporte plus. Quatre cent douze habitants. Eh bien. Tout cas, là-bas, ça va pas mal travailler. Ça devrait aussi augmenter les. Améliorer les maisons. Quoique lui, il est tout seul, il peut partager sa piole. Hein. Ok, on a des fondeurs d'or. Au niveau du stockage, je pense qu'on a ce qu'il faut ici. Il y a beaucoup moins de. Bah, comment dire? Ça, je pense que ça marche pas trop mal ici, sachant qu'il y a des moins d'aller-retour. Il y a moins de mouvement de stock, voilà. Vu qu'il y a moins de mouvement de stock, ça devrait être géré plus facilement. Alors que pour la bouffe, il y en a beaucoup, beaucoup des mouvements de stock, c'est surtout ça le truc. Il faut pouvoir les gérer là au niveau du poisson. Et le poisson, c'est pas bon. Hein. Le poisson, il n'arrête pas de baisser. Hein. Je vais devoir refaire un petit village quelque part. Hein. En vrai, le mieux c'est par là, mais c'est pas terrible quoi. Bon, je les envoie pêcher loin. Tu sais quoi, je vais les envoyer pêcher assez loin. Ça va. Ils ramènent en plus. Et de toute façon, une fois qu'ils sont en train de pêcher, ils en ramènent pas mal. Ah. C'est vrai qu'ils ont rajouté ça. Ça c'est pas cool. Allez, une cabane de pêcheurs. Deux cabanes de pêcheurs, on va faire quatre. Trois cabanes de pêcheurs, si je les construis pas, ça va être problématique. Et une quatrième cabane de pêcheurs, impeccable. Pendant que le moulin à vent est construit. Parfait. Et on va se laisser là-dessus pour l'épisode d'aujourd'hui, hein. Là, c'est terminé ou pas? On l'agrandira à l'épisode d'après. Oh, regardez-moi ces belles bannières. C'est magnifique, hein. Là, de la splendeur. Oh là là. Même l'embellissement est plutôt sympa, hein. Franchement. J'aime beaucoup. On va agrandir vite fait la zone résidentielle avant. Il va y avoir besoin. Eh ben, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Job. Ciao.